Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera du coup une vidéo sur la fête du club et mon départ en vacances en Corse. J'ai dû partir assez tôt de la fête du club, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'images de toutes les activités qu'il y avait. Donc en tout, dans toutes les activités, il y avait un carrousel, des petits, des japonais pour les petits aussi. Il y avait aussi le carrousel des plus grands, un jeu... un relais à l'américaine, je sais pas trop si vous voyez ce que c'est, mais c'est avec un parcours d'obstacles et par équipe, par deux. Il y avait aussi des RLM, qui sont des reprises de dressage libre. J'ai quelques petits passages du carrousel d'écran et de la RLM, juste j'ai pas d'image du relais. En fait, j'ai des images de tout sauf du relais américain. Ouais, donc, Marie, elle arrête net et tout, le cheval. Ouais. Bah, tu vas voir, quand elle va arriver au truc. Hop. Arrête.
Pour ce qui est de ce carrousel là et des RLM, j'ai pas les musiques qui vont avec parce que du coup j'ai dû prendre des vidéos mais il n'y avait pas le son. Donc j'essaierai de faire ce que je peux avec les musiques que j'ai. Après ça, avant de partir, je suis passée faire un petit coucou rapide à Gouvernante. Juste à côté du paddock, il y avait un arabo frison. Donc ses propriétaires ont dit qu'il était à 90% frison. Et moi, j'adore les frisons, donc j'étais obligée d'aller le voir. Ensuite, vers 17h40, je suis arrivée au port avec mon copain et ma famille, enfin mes parents, voilà. Et du coup, on a embarqué dans le bateau. C'était d'ailleurs assez long, mais bon, c'est pas trop grave. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien ce type de vidéo où je filme un peu ma vie et pas forcément des choses d'équitation. Parce que après cette vidéo-là, bon, il y aura une vidéo d'équitation parce que, bon, je vous spoil, mais voilà, j'ai fait une balade à cheval, enfin, ouais, 2-3 heures. Donc ça sera c'est une vidéo en vacances, mais quand même, c'est basé sur l'équitation. Mais sinon, après celle-là, il y aura quand même 2 ou 3 vidéos, je sais plus. Où il n'y aura pas d'équitation dedans. Mais voilà, j'ai filmé un peu mes vacances en Corse, donc j'espère que ça vous plaira quand même, même s'il n'y a pas forcément d'équitation dedans. Après, vous verrez qu'on a croisé quand même pas mal d'animaux, que ce soit vaches, cochons, sauvages, bien évidemment. On a croisé aussi un âne sauvage et des chevaux. Je sais pas si c'était sauvage ou pas, mais voilà. En tout cas, de ce que j'ai vu, ils étaient en liberté dans un champ, enfin, il n'y avait pas de barrière, donc bon. Voilà. Et j'ai voulu essayer de faire ce type de contenu là juste pour un temps assez court parce que ma chaîne restera forcément basée sur l'équitation, ne vous en faites pas. Mais voilà, parce que en fait j'ai fait ça parce que sinon j'aurais pas de vidéo pour tout le mois d'août ou alors juste pour peut-être 3 semaines où il n'y aurait pas eu de vidéo et je préfère en poster, donc voilà, j'ai fait ce type de contenu là pour éviter qu'il n'y ait pas de vidéo tout simplement, donc dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Merde alors. Dans la vidéo. Ça marche pas. Ici, il faut retirer. Ah ok, c'est bon. Mais moi je savais pas. Attends, mais je vais allumer, voilà. À l'arrivée, on a dû se réveiller assez tôt parce qu'on débarquait à 7h et il fallait le temps de se préparer et de sortir des cabines plus tôt. Une fois arrivé en Corse, on est allé directement, après avoir fait des courses bien évidemment, pour qu'on puisse manger la semaine, même si bon, on a fait pas mal de restaurants quand même.
On est directement allé voir la villa que on a louée pour les vacances. Et franchement, elle était plutôt sympa, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, après, j'ai pas filmé l'intérieur, mais c'était vraiment beau. Et il y avait aussi un jacuzzi, mais bon, j'ai pas filmé. Enfin voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!